toutes et tous bien. Moi, je suis très, très, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo sur les 18 ans des jumeaux. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai pas eu le temps de filmer pendant la soirée parce que je courais partout hein, entre la bouffe et l'organisation. J'ai pas pu profiter de la soirée. Donc, du coup, j'ai des photos. Donc, je vais vous faire un petit montage. J'avais pris une petite vidéo quand je suis arrivée à la salle des fêtes avant de la décorer où je vous avais filmé un petit peu la salle. Donc ça, je vais vous le mettre. Et derrière, bah, ce sera que des photos parce que j'ai pas eu le temps de filmer. Et donc, pour celles qui attendaient les photos du gâteau de ma voisine avec impatience, vous allez voir, c'est juste bah, une œuvre d'art en fait. Clairement, elle a assuré. Elle m'a dit, quand elle l'a amenée, je lui ai dit « Mais c'est incroyable ce que vous avez fait, c'est un truc de fou et tout ». Mais combien de temps vous avez mis? Elle m'a dit juste pour la pâte à sucre. Elle avait mis toute la nuit précédente de l'anniversaire. Donc, je vous dis pas, vous allez voir les photos. C'était juste un gâteau magnifique. En tout cas, la soirée s'est super bien passée. Ça a été un anniversaire vraiment génial. Les jumeaux ont été ravis. On a eu 6 personnes qui ont annulé au dernier moment. Mais franchement, c'était pas grave. Les meilleurs étaient là. Les jumeaux ont kiffé, la meilleure amie de Morrigan a fait un discours qui était très émouvant. Les meilleurs amis d'Alexis lui ont écrit une lettre qu'il a fallu que lui, il lise à voix haute, qui était aussi une très très belle lettre où il lui disait des choses très très émouvantes aussi. Donc je me rends compte à travers cet anniversaire que mes enfants ont beaucoup de chance parce qu'ils sont très très bien entourés au niveau amical. Et vraiment, tout s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de problème. Il n'y avait pas d'enfants qui avaient abusé de l'alcool ou quoi. On a essayé de faire attention aussi à tout ça. Vraiment, vraiment, ils ont eu un merveilleux anniversaire. Ils étaient ravis. Je leur avais fait une rétrospective. Donc, du coup, depuis leur naissance jusqu'à maintenant, les deux se sont jetés dans mes bras à la fin en pleurant. Donc, vraiment, ça a été un moment, je pense, inoubliable, que ce soit pour les jumeaux ou pour moi. Et donc, bah voilà, ça y est, leur vrai anniversaire, c'est demain, le 13. Demain, ils seront majeurs, ça y est. Donc, bah voilà, c'est un nouveau chapitre de notre vie à tous qui s'ouvre. Là, ça y est, les épreuves du bac ont commencé. Alexis, pas de chance, il a eu sa première épreuve du bac le lundi juste après leur anniv. Sachant qu'ils se sont couchés à 6h30 du mat, donc du coup, le dimanche matin. Qu'ils ont dormi que 4 heures parce que moi, à 10h30, j'étais là avec les croissants et les pains au chocolat pour leur petit-déj. Donc, ils n'ont dormi que 4 heures. Dans la journée, ils n'ont pas redormi parce qu'on il a fallu ranger, nettoyer la salle des fêtes et tout parce que bah ils ont dormi là-bas. Donc, ils se sont pas reposés, ce qui fait qu'Alex a fait la fête du samedi, s'est couché à 6h30, n'a dormi que 4 heures. Le dimanche, il n'a pas eu le temps de réviser parce qu'en plus, il s'est rendu compte qu'il avait oublié ses dossiers au lycée. Donc, il n'a pas pu réviser. C'était son oral d'anglais quand même. Sachant que l'anglais, c'est sa matière principale. Hein. Il se destine à être prof d'anglais. Donc, il est dans une classe expert anglais. Et c'est juste l'épreuve la plus importante de son bac. Et il n'avait pas ce qu'il fallait pour réviser. Heureusement, coup de chance que c'est un enfant dit HPI. Et que du coup, il m'a dit « T'inquiète maman, demain matin, j'ai une demi-heure avant l'épreuve, je réviserai mes fiches à ce moment-là. » Et quand il m'a appelé le soir, il me dit « Maman, gros coup de chance que j'ai une mémoire de dingue. » Il me dit « J'ai lu ma fiche deux fois, je connaissais tout par cœur, donc j'ai assuré à mon épreuve. » Donc, je revenais pas parce qu'il a pas beaucoup dormi, il a très très peu révisé et visiblement, d'après ce qu'il dit, il a tout déchiré. Donc, bah, je suis assez fière de lui quand même. Et puis bah voilà, les prochaines épreuves, là ça commence bah demain. Alors pour Morrigan, c'est chaud parce que bah du coup, c'est leur anniversaire demain. Demain matin, elle a son oral d'art plastique qui est aussi sa matière principale puisque elle est partie en en bac art plastique. Donc elle a son oral du bac demain matin et demain après-midi, on va se faire tatouer toutes les deux parce qu'elle voulait qu'on ait un tatouage en commun. Donc demain, grosse journée pour Morrigan. Elle qui est plutôt une enfant angoissée et stressée, j'espère que ça va aller parce qu'entre le stress de l'épreuve et le stress du tatouage, bonjour. Surtout que là où elle veut le faire, ma tatoueuse m'a dit qu'elle va avoir bien mal. Donc du coup là, grosse journée demain pour leurs 18 ans. Donc là, bah voilà. Donc l'anniversaire, c'est fait, on n'en parle plus. Mais bah là, on part sur le bac, ça y est. Donc autre source de stress,
On croise les doigts. Les deux ont été pris à tour pour l'université. On a eu les réponses, c'est bon. Donc bah maintenant, on attend les réponses pour le Crous pour savoir s'ils ont le droit à leur appart ou pas. Et puis bah voilà, la suite au prochain épisode. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi les aventures des 18 ans des jumeaux. Et je vous fais plein plein de gros bisous et je vous laisse avec la petite vidéo et les photos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, je suis au taquet, il est 10 h. Je viens d'arriver à la salle, donc comme vous pouvez le constater, rien n'est prêt. Donc là, c'est complètement vide, il y a mes sacs partout pour la déco. Là, on a un premier vestiaire, on en a un deuxième là-bas au bout. Hop. Ici, on a tout le coin toilette. Bon, je ne vais pas vous montrer, hein, les toilettes, c'est des toilettes. Hop. Et on a une cuisine qui est pas très grande, faut l'avouer. Donc on a déjà commencé à mettre toutes les courses ici. Il y en a partout. Voilà, le frigo est plein. Et donc bah voilà, là je m'apprête à commencer la déco. Donc comme promis, je vous ferai plein de petites vidéos dans la journée dès que j'aurai 5 minutes. Donc là bah, je vais vous laisser, je vais attaquer la déco puis je vous reprends après. À tout à l'heure, bisous. En ce qui va la musique. Après j'ai pas la suite et après je j'ai la suite. Hein. Tous en insignifiant, la tristesse l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystère. Le bien, le mal, je dis tant pis, tant pis. Me voilà. Oh, non, je suis là. Thank you.